Bonjour à tous, dans cette 11e étape du Grand National des Amateurs, je vais rester fidèle à mes convictions et tenter de nouveau en tête le numéro 10, Elysiane d'Érable, qui vaut pour moi beaucoup mieux que ses récentes prestations à Enghien et Angers. Cette protégée de Guillaume Gillot devrait encore rendre les maîtres, certes, mais avec une Barbara Gunnet inspirée, le coup est tout simplement jouable. Je vais logiquement lui opposer le numéro 3, Fils Saint-Germain, qui est de tous les combats. Cet élève de Guillaume Cardil vient d'aligner une deuxième place à Bréal, un succès à Saint-Malo et une nouvelle deuxième place à Angers. Frédéric Durville en tire toujours la quintessence, idéalement engagé en tête. Elle doit de nouveau jouer la gagne. Maintenant, justement, c'est à vous de jouer. Surtout, n'hésitez pas de liker, de vous abonner à notre chaîne, de nous suivre sur Twitter et on se retrouve tout de suite pour un nouveau Côté Cote dans la quatrième.